Gauche qui est en position de drop. Là, les pieds. Ça a été le point fort de l'ASM, les drops cette saison. Anthony Floch, le pied gauche d'Anthony Floch qui va égaliser. Récompensant cette grosse séance des avants de Clermont, Toulon 3. ASM 3. Ouais, des avants de Clermont initiés au départ par une relance d'Anthony Floch. Anthony Floch qui se met dans l'axe des poteaux et qui tape ce drop bien équilibré entre les barres. Encore joué, donc voilà, bon là on a une touche intéressante. Il faut que. On est toujours dans la partie 3-3 et puis voilà, il va falloir qu'on fasse notre jeu, mais c'est vrai qu'ils essaient de nous jouer un peu large. Oui, Wilkinson, le drop de Wilkinson de 40 mètres, ce drop de Johnny Wilkinson qui passe entre les perches. Il répond Anthony Floch et redonne l'avantage au Toulonnais. Monsieur Johnny Wilkinson, Toulon mène 6-3. Pas besoin d'avoir beaucoup d'occasions pour Johnny Wilkinson, regardez ça, voilà, dans la condition difficile en plus, un coup de pied un petit peu brossé, sous la pression. En tout cas très bien tapé. Voilà, c'est un maître dans ce genre d'exercice, en plus de toutes les autres qualités qu'il a, bien 6 minutes encore. Peut-être en 10 minutes connaîtra-t-on l'adversaire de Perpignan, mais rien n'est moins sûr. Brock James. Ah, ce top 14 nous aura fait vibrer de la première à la dernière journée. On se retrouvera dans 15 jours pour la finale. Prise de balle de Suta. Cibré, Wilkinson. Dégagement de Johnny Wilkinson qui garde le ballon dans l'air de jeu. Dans les bras de James. Il va tenter le drop pour James. Tente le drop de plus de 50 mètres. À court. Dégage. Il le met. Oh, il le met, Brock James. Si critiqué. Regardez la réponse du champion. Un drop un peu à la Stein la semaine dernière. Brock James vient de donner 6 points d'avance à Clermont. D'un drop époustouflant, éblouissant de plus de 55 mètres. Et il a décidé d'entrer. Hein. Le buteur australien que Jean-Pierre Romeu, l'ancienne légende de l'ASM, avait qualifié de cadeau du ciel. Meilleur réalisateur du top 14 ces 3 dernières saisons. Regardez cette trajectoire flottante. On croyait qu'il allait sortir. Il passe entre les perches. Brock James a peut-être.